Salut à tous, c'est Zitax. Dans cette vidéo, je vais vous parler encore une fois de la Impointed Decodef. Mais comme vous l'aurez vu au début de la vidéo, j'ai une nouvelle intro qui a été réalisée par XXB2XXVFX. Alors franchement, allez vous abonner à sa chaîne parce que vraiment cette intro, je la kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, il a fait du très bon travail. Je kiffe ton intro, mec. Donc franchement, allez vous abonner en masse à sa chaîne. Ça lui fera extrêmement plaisir et je pense que ça lui motivera, ça lui donnera la motivation de continuer et de faire plus de vidéos. Quelques nouveautés qui sont sorties sur comment on va la voir, comment ça va se passer, quel sera son prix. On a vraiment pas mal d'infos et c'est grâce à Foxy Snap qui peut tout simplement nous donner des réponses. Donc je vous mets son Twitter dans la description. Voilà, vous pouvez aller voir. C'est lui qui donne les infos. C'est lui qui a partagé aussi les screens. Donc on commence directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Impointed Decodef devrait coûter $665,000. Ça, je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo que j'avais postée justement sur la Impointed Decodef. Et justement, je vous invite vraiment à aller la voir avant cette vidéo. C'est très important pour pouvoir comprendre la suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule coûterait $665,000 pour les joueurs qui sont tout simplement banals, des joueurs qui n'ont pas transféré leur compte. Voilà, pour ceux qui se demandaient, ouais, mais moi j'ai transféré mon compte, on en reviendra un peu plus tard. Là maintenant, on va parler tout simplement des joueurs banals, des joueurs qui n'ont tout simplement pas eu de compte sur ancienne génération, donc sur la PS3 ou la 360. Ben voilà, en fait, vous devrez malheureusement pour vous payer $665,000 pour l'avoir, la Impointed Decodef. Par contre, maintenant, on va parler des gens qui ont tout simplement transféré leur compte et qui avaient donc un compte sur ancienne génération. Par contre, vous n'aurez à dépenser 0$ pour l'acheter, bien évidemment. Pour la customiser, je ne pense pas que ce soit gratuit. Il ne faut pas déconner. Voilà. Mais en tout cas, vous n'aurez 0$ à dépenser pour tout simplement acheter la Impointed Decodef. Et je pense que c'est une très bonne solution. Et j'ai envie de dire encore heureux qu'on n'a pas besoin de dépenser le moindre centime pour l'acheter. Sachant qu'ils nous l'avaient promis. Mais là, en tout cas, ils vont la mettre pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui vont l'avoir gratuitement sur le online. Il y a des gens qui vont tout simplement l'avoir payant. Voilà. Mais au moins, tout le monde l'aura. Voilà. 3 ans après, tout le monde l'aura. C'est ce qu'ils avaient annoncé au moment où la PS4 était sortie, qu'il y avait à avoir des véhicules spécifiques pour les gens qui transfèrent leur compte. Donc voilà, il y avait le Marshall, la Impointed Decodef, je crois, et encore d'autres véhicules, je ne me rappelle plus trop. Ça date un petit peu. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt intéressant que tout le monde aura la possibilité de l'acheter. Alors, est-ce que c'est vraiment un véhicule qui vaut le coup? Pourquoi pas, franchement, c'est un véhicule sympa si vous avez de l'argent à dépenser. Pourquoi pas un nouveau véhicule, ça fait toujours plaisir. Mais après, il y a de nouveaux véhicules et il y a les véhicules qui servent réellement à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Les véhicules qu'on utilise une fois, deux fois, comme les véhicules spécialement faits pour les événements spéciaux, du style la Roosevelt, du style le Corbillard, voilà, tout ce genre de véhicules sont des véhicules qui sont stylés, mais ce sont des véhicules inutiles, entre guillemets. Voilà, c'est pas des véhicules qu'on utilise tous les jours. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Toi, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si tu penses que c'est une bonne idée, la solution qu'ils ont fait pour justement intégrer ce véhicule pour tout le monde. C'est-à-dire que les personnes qui ont transféré leur compte ont la possibilité de l'avoir gratuitement. Et en contrepartie, les autres qui n'ont pas justement transféré leur compte ont aussi la possibilité de l'avoir. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ils pensent à tout le monde. Ça fait plaisir en tout cas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la bombarder de likes, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la fois prochaine. Ciao tout le monde.